Donc, ce n'est pas un problème de gouvernement. À nous, ici, de nous mettre en ordre de marche, tous ensemble, une fois élus, pour défendre les intérêts de ce territoire, parce que nous, une seule commune, l'État nous a entendus, parce que nous avons envoyé un métropole, je suis personnellement allée en tant que maire pour faire valoir l'argumentaire du refus de la commune de Sada, et ça a été entendu. Donc c'est possible. C'est possible l'unité des élus pour défendre les intérêts de ce pays et répondre à toutes ces inégalités qui pénalisent la population de Mayotte.